Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça là, je n'ai jamais vu. Carton de ça là, regardez. 15 ans. Anniversario. Je rebois mon croix ligue. Eh Dieu, croix ligue. Oh, oh. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Je te donnerai les vins, les Bordeaux, les grandes Alberono, les Albertino, tout ça là. Non, faut pas faire le rêve, tu tombes pour dire tu vas casser. Hein. Toi et moi là, non. On fait ça main comment même. Aïe. Aïe. Et grande Aberon. Amfest. Ben, ça c'est. Oh oh. Ah, ah, mets-toi là, doucement. Aïe, ça pèse, hein? On a mis ça dans l'avion. Parce que ça là, je ne sais pas si on vendait ici. Et c'est un vin qui vient de la Suisse. 15 ans, ça a 15 ans d'âge. Ami mien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et anglo-yides. Le direct que vous écoutez s'appelle... Les choses de la vie, les mystères de la vie. Ce soir, nous allons parler d'un phénomène. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube, pour parler, n'est-ce pas, des choses de cette vie. Et parmi ces choses, nous allons parler un peu de ce qu'on appelle le mauvais œil. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Je voudrais dire merci. Vous voyez ce gros carton de vin, 3 litres. Ça, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Non, Dieu, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit, le contrat, tu ne vas plus, tu vas le signer sans délai. Parce que moi, ton Dieu, aïe, ça vient de loin. Ça a pris avion, atterri, on a emballé. Tu ne sais pas casser pour venir me le donner. Ma grande, que Dieu te bénisse. C'est le vin quand tu bois ça. On dit le vin rend la vie joyeuse. Quand tu bois ça, pendant que tu bois ça, tu dois faire même ton testament, ce genre de vin-ci. Ah ah. J'ai dit seulement ah ah. J'ai compris que tout ce que nous faisons en cherchant le bonheur de notre prochain, Dieu nous bénit dans ça. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu vois un mendiant, tu lui apportes le petit sourire. Tout ce que nous... L'homme doit être au centre de nos activités, rempli d'humanité, de compassion. Mais il y en a qui sont là, qui ont pour existence de déverser des énergies négatives sur les autres. J'ai compris pourquoi au village, depuis la nuit des temps, quand nos parents, ils avaient des petits problèmes de santé au niveau du pied, peut-être le pied enflé, peut-être qu'il y a quelque chose, une blessure. Il recommandait toujours qu'on noue, c'est-à-dire qu'on mette un fil noir tout autour du pied. Et dans ma curiosité sur le cheminement spirituel, j'ai dit, mais pourquoi on fait ça? C'est là que j'ai compris que c'était pour éviter ce qu'on appelle le mauvais œil. Parce qu'il y a des gens qui possèdent, c'est-à-dire à travers le regard rempli de jalousie, de haine, qui peuvent, n'est-ce pas, envoyer des ondes négatives. Parce que tout est là, toute énergie. Vous voyez qui envoie, dit, tu es là, si ça pouvait se couper. Donc le petit fil là que tu vois là, noir là, qu'on met là, c'est pour barrer. C'est-à-dire, c'est comme un talisman de protection contre le mauvais œil. Ce sont des choses qui existent. Donc aujourd'hui, amis miens d'ici et d'ailleurs, il y a des gens qui portent des regards négatifs.
Surtout en ce moment où nous sommes en été, c'est le moment pour des benguistes de venir. Ils sont là, dans la ville, tout et tout. Mais les pauvres ne sont pas contents de les voir. Il y en a qui ne sont pas contents de voir que vous avez une très belle chemise, de savoir que vous êtes marié, de savoir que vos enfants sont en santé. Et n'ayant pas les moyens agressifs, physiques pour vous atteindre, ils préfèrent, n'est-ce pas, déverser sur vous ce que j'appelle ici le mauvais œil. C'est-à-dire le regard rempli, n'est-ce pas, de négativité. Ils sont envieux, ils sont jaloux, ils ont la rancœur, ils mettent dans leur tête, ils nourrissent pour vous. Ah, mais non, comme la fille est bien habillée comme ça, non, il faut même qu'on la graisse, il faut qu'elle sorte comme ça, là-même. Même la voiture n'a qu'à la cogner. Donc, c'est de tout ça que nous parlons. Le mauvais œil, c'est ce regard négatif que quelqu'un jette sur l'autre dans le but, n'est-ce pas, de créer le malheur sur l'autre. C'est le but. Donc c'est ça. Alors, on ne peut pas sortir comme ça. C'est pour ça que nous portons des chaînes, nous portons des pierres, nous portons tout, des allumettes, des talismans, tout ça, là, nous portons pour qu'on crée toutes ces choses-là. Il y a même des prières. Donc, aujourd'hui, ami Mien Dissé, d'ailleurs, nous allons parler, n'est-ce pas, du mauvais œil. Comment ça fonctionne et comment on peut se protéger, n'est-ce pas, du mauvais œil. Comment savoir que nous avons le mauvais œil. Voilà, tout ça, n'est-ce pas, nous allons parler de ça. Et le but, n'est-ce pas, c'est de vous donner les moyens de protection contre le mauvais œil. C'est les plus couramment utilisés. C'est de vous donner assez d'informations pour que demain, tu vois ton enfant prendre aïe, aïe là, quand l'enfant va à l'école, tu prends l'aïe simple là, pour mettre ça. C'est pour éviter tout ça, le mauvais œil. Hein? Toutes ces énergies négatives qu'on peut envoyer. L'enfant en dormant, il pleure la nuit. Toi, tu crois que non, l'enfant n'a pas bien mangé. Non, c'est tout ça, de tout ça que nous parlons. Et c'est important, ami Mien Dissé d'ailleurs, que ce direct soit partagé pour le grand nombre. Parce que ce soir, nous allons parler de ça et nous allons vous donner quelques recettes naturelles qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider. Surtout que nous sommes à la veille de la nouvelle lune qui aura lieu demain. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut faire, des rituels qu'il faut faire pour l'harmonie dans votre couple, pour tout et pour tout, pour attirer l'argent, tout. Demain, c'est une nouvelle lune qui va naître, donc qui va apparaître. Profitez-en, ami Médicé d'ailleurs. Je voudrais interpeller une sœur. Ça fait aujourd'hui 3 ans que nous cheminons ensemble. Elle est en France. Son prénom, elle va se sentir concernée. Chaque le 5 juillet, il y a une mouche qui vient te piquer. Ça fait, j'étais connu en 2020. En 2020, le 5 juillet, la mouche est venue te piquer. En 2021, le même 5 juillet, la même mouche est venue te piquer. Donc, attends-toi, il n'y a jamais deux sans clous. Que le 5 juillet, dans quelques jours, là, la même mouche viendra. C'est une connexion. Donc, c'est mon rôle de te dire, papa, tu m'as dit ça la première fois. J'ai dit, ah, peut-être que ça peut arriver. Mouche est venue te piquer, première fois, deuxième fois, toujours la même date, le 5 juillet. Mon rôle est de te suivre spirituellement pour te dire, prends toutes les dispositions qu'il faut pour que cette mouche-là, tu mettes dans la bouteille. Tu vois, elle va venir, tu vas prendre des bouteilles, ancre. Elle l'ancre, tu fermes. Parce que ce n'est pas une mouche, ce n'est pas une mauvaise coïncidence, non. Chaque 5 juillet, une mouche vient te piquer. Et du 5 juillet à l'autre 5 juin, ta vie n'est qu'une succession de déceptions. Elle est belle comme l'aurore, très jolie, on dirait une entière. J'ai dit, elle est trop jolie. J'ai dit, belle, avec son cou crié, avec des seins. Oh. Je ne continue plus. Donc, ami Mien Dissé, d'ailleurs, partageons. Ouais, partageons le direct. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Le feu va brûler l'eau. Donc, partageons le direct parce que c'est important. Alors, il vous arrive souvent, de temps en temps, brûler des petits... Faites des petites choses dans votre maison de temps en temps. Le sel gros grain. Voilà ça un peu. Le sel gros grain, vous voyez. Voilà le sel gros grain. Là. Il y en a suffisamment. Vous savez, le Cameroun, elle est... Voilà. Le sel gros grain. Voilà. De temps en temps, chez vous, prenez ça, vous mettez le feu, hein, le charbon, si c'est africain, peu importe, dans votre truc et vous brûlez. Hein, vous mettez ça au feu, comme ça, au feu. Voilà. Donc, dans le truc.
Alors, en le faisant, ça peut vous indiquer l'état, n'est-ce pas, de pollution spirituelle de votre maison. Vous savez, les visiteurs, les gens qui entrent, tout ça là, ce sont des énergies, les fréquentations des uns et des autres, votre maison ouverte et tout. Il y a tout, même l'air, hein, vous ouvrez les fenêtres, ça vient de partout. Donc, il faut de temps en temps purifier la maison. Et la nouvelle lune de demain est aussi une occasion très propice pour faire ces choses-là, ces rituels de purification de votre lieu de domicile. Alors, quand vous prenez, vous faites ça, vous prenez le sel gloria, vous mettez ça dans le feu, dans l'ascenseur, le charbon ardent, voilà. La manière de crépiter va vous dire si votre maison contient des énergies négatives ou pas. C'est très simple, c'est pas compliqué. Si vous prenez, vous mettez et que vous entendez des bruits, c'est le crépitement du sel du gros grain là. Hein? La manière ça fait là, sachez déjà que la maison là où elle est remplie d'énergie négative. Maintenant, si par contre vous mettez, il n'y a pas de crépitement. Dites-vous heureux, dites-vous chanceux. Ce sont des petites techniques pour savoir l'état d'évolution, n'est-ce pas? Mais c'est des choses qu'on devait faire dans les hôtels, mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, vous prenez une chambre d'hôtel, vous mettez. Non, non, vous allez voir. Même les détenteurs d'hôtels, hein, c'est les choses que vous devez faire chaque semaine, voilà, pour nettoyer les énergies négatives. Ce n'est pas le luxe qui importe. Il faut chercher le bien-être spirituel, n'est-ce pas, de vos clients. Parce qu'on dit, oh, c'est l'étoile 5 étoiles, l'hôtel 5 étoiles, on dort. Mais les chambres ne sont pas purifiées de temps à autre. Maintenant, tu quittes Kounia, ce qui s'est passé avec des énergies négatives, tu viens te coucher, bam, tu prends les toilettes, tout ça là. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, des maisons nouvellement prises, hein, des appartements, tout et tout, c'est ça qui marque la différence avec le centre spirituel que nous venons de créer. Chaque semaine, il y a des délégations qui viennent de partout, du Portugal, de France, des États-Unis, Haïti. En ce moment même, c'est très bousculé parce que nous, c'est un centre spirituel. Donc, quand tu dors dans ce centre, les dispositions des lits répondent aux normes spirituelles. Le lit doit être orienté à l'est. Quand tu mets ta tête là, éviter de dormir tes pieds. Hein, tes pieds sont tendus, n'est-ce pas, vers les toilettes. Tout ça, là, c'est respecté. Et on brûle les encens de temps à autre. Même avant d'entrer, d'occuper, je fais cette expérience. Je dis, voilà, j'allume, tu as vu? Pas de crépitement. Ça te rassure. Voilà. Donc, c'est autant de choses, amis miens d'ici, d'ailleurs. Ah, le spirituel, c'est pas amusement, hein? C'est pas amusement. Donc, et c'est aussi très bon pour les mariés. Voilà, j'ai reçu un monsieur aujourd'hui qui va se marier dans quelques semaines. Je lui ai dit, il ne faut pas que le sel gloguin vous manque. Toi et ton épouse, il dit non, mon épouse a vraiment, c'est compliqué. J'ai dit, ce n'est pas quelque chose de lui. Tu ne lui demandes pas, tu dis fais, parce qu'elle est ta servante. Et tu ne peux que lui donner ce qui est bien pour toi et pour le couple et pour elle. Donc, dis-lui que chérie, nous sommes dans une phase préparative de notre mariage. Ce n'est pas tout le monde, même dans ta propre famille, ce n'est pas tout le monde qui va voir ça en bien. Donc, la mariée doit avoir son sel gros grain dans son sac pendant qu'elle prépare son mariage. Sinon, elle risque de voir clair. Mais j'apprécie le monsieur parce qu'il est venu me voir pour dire, « Papa Manou, je sors de loin, il vit en Allemagne. » Il est venu avec ses enfants, tout et tout et tout. Vraiment, je veux que vous me dites quel jour dans le mois là je vais me marier. Je lui ai dit, voilà, prends tel jour, tel jour, tel jour. Et effectivement, c'est le rôle du spiritualiste de vous indiquer. Et c'est le rôle pour ceux qui sont des élus, hein, dans le groupe des élus. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé. Voilà, vous voyez qu'on a créé le groupe des élus parce qu'il y aura un suivi spirituel assez ponctuel. Voilà. Donc quand je me lève le matin, là, je regarde d'abord élu là. Qu'est-ce qu'un élu a dit? Ah, papa Manou, mon couple bat des ailes. Qu'est-ce que je fais? Quelle attitude je fais? J'ai dit, prends l'huile d'olive, va ceci, fais ceci, ton mari va changer. C'est tout. Parce que Dieu a tout créé. Je ne suis pas Dieu, mais je sais que dans la divine nature que nous explorons chaque jour de notre menu du jour, tout est dedans. L'argent, c'est plus... Dès demain, prends quoi, clou de girofle. Je n'ai pas dit mine. Ça se vend même au marché, tu as 10 francs, on va te donner. 1 euro même, tu peux avoir un sac de clou de girofle. Prends quoi, tu mets dans ton porte-monnaie. Si à la nouvelle lune... prochaine nulle là, du mois d'août. Il n'y a pas une entrée d'argent importante. Si ton niveau de vie, quand tu as 10 000 fois, tu as eu beaucoup là, Dieu va te donner 20 000. Pour te prouver que lui, il est Dieu, il est créateur, c'est lui. Tout ça là,
C'est lui qui a créé. Et pour toi, il n'a pas créé ça pour lui. L'argent là, tu donnes un million à un chien, il va faire quoi avec? Tout a été créé pour toi. C'est pour toi qu'on a créé tout ce que tu vois là. Si tu n'as pas un joli portable, c'est que le problème, c'est toi. Sinon, le fabricant du portable en créant, il a dit, Manu de la vie peut utiliser. C'est pour lui que j'ai créé. Les avions, c'est pas pour mettre des animaux dedans. C'est pour toi. Donc, si tu as une chose là, tu n'es pas dedans. Le problème, c'est toi, ce n'est pas la nature. Hein? Alors, donc, Ami Mendicé, d'ailleurs, nous allons parler de ces choses pour que les gens comprennent que nous avons intérêt de comprendre, de savoir, de noter que Dieu est en nous. C'est nous Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Ne le cherchez plus là. Il est en nous. C'est nous Dieu. C'est moi Dieu. C'est toi Dieu. Ah, voilà. Donc, comment savoir qu'on a le mauvais œil? Je crois que tout ça là, vous devez le savoir. Donc, le mauvais œil, c'est une série de malchances. Parce que les énergies négatives sont en vous et qui bloquent, n'est-ce pas, vos chakras, les sept chakras. Riez, souriez à la vie. Parce que quand vous refusez de sourire, ça bloque le premier chakra que vous connaissez tous. Souriez. Vous voyez tous ces hommes-là, vous allez voir toujours, ils sont tous remplis de sourire. Ils rient. Il faut sourire à la vie. J'ai ton visage tout serré, là. Ça sera difficile. Quand la haine est remplie dans vous, là, ça se voit. Je peux entrer dans un bureau, je dis, toi, en dormant, tu n'es pas bien. Toi, tu n'es pas ceci. C'est simple. Trop simple. Trop simple. Donc, ami vient d'ici, d'ailleurs, il y a cela. On dit tout le monde dans un quartier, quand tout le monde dit non, on va partager l'argent ou bien la nourriture à tout le monde. Quand ton tour arrive, on dit non, la nourriture est finie. Quand c'est déjà ton tour, là, on dit ah non, il faut repasser. Vous voyez, donc, c'est autant de choses. Vous avez des fatigues. Sans raison, tu n'as rien fait. Quelqu'un qui dort jusqu'à 11h minuit, midi, il est encore au lit. À quel moment tu vas te chercher? Tu vas chercher ton gagne-pain, ton pain quotidien. Voilà. Maintenant, c'est des nuits agitées, des cauchemars. Vous déprimez. Bon, vous voyez. Tout ça, c'est que vous avez le mauvais œil. Vous avez le mauvais œil, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, la vie ne vous sourit pas et tout est dangereux pour vous. Tout est mélangé pour vous et ce n'est pas une bonne chose. Partageons le direct, s'il vous plaît. Je sais que c'est l'un des directs où je n'exige pas 500 partages, 1000 partages, non. Tout simplement parce que je me dis, je laisse Dieu faire les choses. Non, parfois il faut être exigeant. Parce que quand on partage, c'est pour que le monsieur ou bien la dame qui se trouve aux extrémités du monde puisse avoir la chance d'être informé, d'être connecté. Le but, c'est de quoi? De déchirer le voile de l'ignorance. C'est pour ça que nous faisons les directs. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un tradit praticien, je suis ton fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. C'est tout. Alors, l'autre jour, j'ai reçu un appel d'une de mes filles que je suis depuis quelques années. Elle était pompiste. Pompiste. Voilà. Il y a des semaines où elle travaille 18h, 6h du matin, des semaines où elle travaille 14h, 22h. Elle décide comme ça, elle m'a rencontré, elle décide comme ça de faire son scanner. Le scanner lui révèle des choses mystérieuses. Beaucoup attendent du scanner et tu avais avorté, tu avais fait un avortement en 1990. Il y a un sorcier dans la famille qui te tue, c'est ton oncle là. Tu as cogné ton pied. Non, c'est pas ça. Non. Si vous venez faire le scanner pour attendre ça, c'est pas non. On vous parle de ce qui est important dans votre vie. Grâce au scanner, Dieu merci, sa vie a changé, basculé. Le scanner lui révèle que ce que tu fais comme pompiste, tu souffres, c'est l'esclavage qui n'a pas de nom. Parce que Dieu a donné à chacun de nous un don. Quand je lis un peu l'histoire de la secte, l'histoire de ces grands hommes qui ont marqué la Bible, on dit Joseph, le peuple d'Israël qui sortait. C'est Joseph, je crois, non. C'est qui? Salomon. C'est Salomon, oui. Qui a dit à Dieu, il a tout. Dieu l'a choisi pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et il dit à Dieu, je n'ai pas la capacité de parler à Pharaon. Parce qu'il n'avait pas ce don de parler, d'arranger.
Et Dieu dit, ton frère, ton ami, cousin qui est à côté de toi, il s'appelle Aaron. C'est pourquoi tous ceux qui portent le prénom Aaron sont des grands, sont des harangueurs. C'est des gens qui ont le don de parler. Il a dit, Aaron, qui est ton frère, je lui donnerai. Il aura des mots subtils pour parler à Pharaon. Chacun de nous a un don. Tu as ton don, même dans la prostitution. Là. Il y en a qui le reçoivent dans la prostitution, il y en a qui ne reçoivent pas. Même dans le vol. Il y en a, mais ce n'est pas quand même de négatif. Il n'y a pas un don de voler. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. On parle pour parler. Il y en a qui sont des excellents footballeurs. Il y en a qui sont... Elle, cette fille, le scanner révèle que elle doit réussir dans ce qu'elle fait. Si elle fait l'électricité, elle va réussir. Elle dit, ah, papa, maman. Mais de nos jours, vous voyez, il y a des femmes qui sont électriciennes, qui sont mécaniciennes, qui sont frigoristes. Mais ce n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est tout simplement parce que elle a eu cette révélation que voilà ses dons. Elle est dans le don là. Il y en a qui sont des excellentes cuisinières. J'ai dit à une dame, n'investis ton argent, aller à Dubaï, Turquie, acheter la marchandise et tout. Ouvre un restaurant. Si dans 6 mois, le capital que tu as investi, tu ne récupères pas, dis que je suis un menteur. Aujourd'hui, elle investit, maintenant elle achète des terrains. Elle dit, hey, elle prépare bien, même si tu lui donnes l'eau. Avec le riz, elle va jongler avec, comment elle va jongler là? Le riz là, tu vas manger. Vous voyez? Donc, cherchez votre don, cherchez quel est votre don, hein, pour comprendre certains mystères, je vous en prie, amis bien d'ici d'ailleurs. C'est pourquoi nous faisons des directs chaque jour de notre... chaque jour. De toutes ces choses que vous voyez. Donc aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du mauvais œil. Voilà, du mauvais œil. Je vous ai donné un peu quelques symptômes. Et voilà, et comment, quels sont les moyens de protection. La première, c'est la prière. Priez toujours avant de avant toute chose, priez toujours. Parce que si vous êtes croyant, vraiment, la prière est cette nourriture qui va nourrir votre âme. Donc, priez régulièrement, des prières de protection. Voilà, vous demandez à votre Dieu de vous protéger des envieux, des jaloux, et de réaffirmer, n'est-ce pas, votre amour pour des envieux, des jaloux, et tout. Parce que, vraiment, ayez assez d'amour dans votre cœur. Je me rappelle d'une parole très forte de l'ancien président ivoirien qui disait, son cœur est trop petit pour contenir la haine. Il y a toujours l'amour. L'amour détruit tout. Mais vous ne voyez pas. Parce que pour vous, tellement qu'on vous donne la haine, tellement qu'on vous donne la méchanceté, pour vous, non, il faut que je réagisse. Donnez l'amour. C'est au-dessus de tout. C'est-à-dire, l'amour est la religion la plus forte, la plus puissante au monde. C'est la seule religion où Dieu se reconnaît dedans, l'amour du prochain. Il vient avec toutes ces histoires, donne-lui l'amour. Ça anéantit, ça brûle, ça brûle. Maintenant, quand la haine a la place de la haine, donne double haine. Vous-même, vous ne dormez plus, vous n'êtes plus en paix. L'amour du prochain, malgré tout ce qu'ils vont faire, mais ils ne pourront pas vous atteindre. On dit le juste sera atteint, mais il ne va pas chuter, il ne va pas tomber. Donc l'amour, eh bien, c'est pas facile aussi, hein. De savoir que voilà quelqu'un qui ne veut pas de vous, il vous envie et tout. Alors il faut que je lui donne encore l'amour. Non, elle pourrait dent pour dent. Il va mourir, forcé. Donc l'amour, cultiver l'amour. Voilà, prier, des prières de protection, il y en a tellement et tellement. Voilà, Dieu pourvoira à ma sécurité, Dieu pourvoira à ma journée. Je confie ma journée à mon Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de mes ancêtres. Je lui confie cette journée, c'est déjà bon. C'est déjà quelque chose de bien. Enseignez cela à vos enfants. Hein? Donnez-leur cela. Ce n'est pas en se connectant sur les réseaux sociaux qui fait la chose. Dites-leur que le matin à son réveil, en descendant du lit, le premier pied qui touche le sol, c'est le pied droit. Descendez toujours du lit par le pied droit. Et vous faites votre prière. Dans la... Pour des femmes qui sont en couple et dont ça ne va pas, le lit conjugal est un sanctuaire. Priez sur ce lit-là. Dites, mon mari, là, ça ne va pas. Le somme sans cresse, voilà. Il y a beaucoup, priez, surtout le vendredi. Vous allez voir que les choses vont changer. Le lit conjugal, oh mon Dieu. Oh. Donc, il y a aussi ça, il y a d'avoir, n'est-ce pas, cette attitude, n'est-ce pas, positive. Voilà, la meilleure manière de calmer les envieux, c'est de les ignorer.
d'afficher le numéro. Quand ils font ces histoires, tu ris. Tu vois, tu es au quartier, tu ris. Tu sais bien que la personne mal parle, ne t'aime pas. C'est à toi, c'est toi-même qui lui offre. Tu dis, ma chérie, si tu peux prendre un bonbon avec moi, tu peux prendre un jeu avec moi. Vous voyez, donc, il faut avoir une attitude positive. Et parce que en cultivant la négativité en vous, ça va vous affecter. La positivité, tout ce qui vient est une grâce. Bon ou mauvais, c'est une grâce. Et dans votre fort intérieur, vous savez que Dieu pourvoira parce que ce Dieu, il est avec vous. Il est devant vous comme un bouclier humain pour conduire vos pas, vos idées, vos pensées et votre travail. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, vous devez comprendre toutes ces choses. Soyez gentils, hein, soyez gentils. Beaucoup me demandent, je suis l'homme le plus persécuté. Mais l'amour que je donne autour de moi fait que tout ça, la compassion que vous avez pour des personnes qui souffrent, ouais, pour des orphelins, pour des veuves, pour des prisonniers, tout ça là, ça fait que, vous voyez. Maintenant, en dehors de tout ça, il y a des talismans de protection. Amis miens d'ici d'ailleurs. La gousse d'ail que vous mettez dans la poche gauche de votre fils ou de vous-même, c'est très important parce qu'un talisman, c'est quoi? C'est un objet auquel on attribue, n'est-ce pas, des vertus magiques. Voilà. Donc, le petit truc là, je peux lui attribuer des vertus magiques. Je dis, toi là, tu un petit caillou. Il y a une dame qui était, un monsieur qui avait des problèmes avec son épouse qui avait décidé de rompre la relation comme ça pour un rien. Il est venu me voir, j'ai dit, mais ça c'est rien. Est-ce que tu peux la rencontrer? Elle dit oui. J'ai dit, il faut chercher trois cailloux, c'est tout. Elle a retiré, mais la femme aujourd'hui est soumise. Donc, le talisman, quand les gens avant comprenaient talisman, non que battre, c'est l'ignorance. C'est tout objet. Même si tu prends, c'est comme celui-ci, tu vois, tu lui attribues des vertus magiques, de protection, ça va jouer rôle. Hein? Ça va jouer rôle. Amis miens d'ici d'ailleurs. Donc, vous pouvez le faire, des talismans de protection. Il y a des pierres, il y a des bois, il y a des papiers, il y a tout, il y a des symboles, il y a des signes. C'est pourquoi même il y a un signe là. Hein? Le pentagramme du roi Salomon, l'épée assise, tout ça là, ce sont des choses pour vous protéger. Bon, là, il y en a qui, quand ils voient ça, ils doivent que battre. Et lui là, c'est un franc-maçon. Lui là, c'est un rosé-christien. Et lui là, et il n'est pas bien. Non, il y a des signes. Hein? Même sur votre maison, vous prenez un morceau de craie, un morceau de craie. Sur vos fenêtres, vous écrivez le chiffre 66. Ça repousse tout ce qui est négatif. Mais quand tu vas voir ça, hey, c'est 66, hey, hey, oh le monsieur là, vous voyez, l'ignorance, c'est l'ignorance, ami, c'est l'ignorance. Ouais, donc, le mauvais, comme je le disais, c'est un signe, n'est-ce pas, de malchance. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors, nous allons vous donner quelques recettes, n'est-ce pas, pour vous éloigner de tout ce qu'on appelle mauvais œil. Voilà, de tout ce que... Alors, je disais tantôt, vous êtes fiancé, vous devez vous marier. Amis miens d'ici d'ailleurs, ne sois pas cougna-cougna. Pour dire, j'aime un maillot. C'est toujours maintenant les mêmes comme tu regardes. Chaque. Non, le plus important, c'est le moment le plus difficile pour vous. Ah oui? Mais tes copines célibataires là. Ah oui? Tes collègues de service là. Quelqu'un est là dans célibat, ça fait 25 ans. Toi, tu viens d'arriver à moins de 30 ans, tu es là marié, tu veux te marier. Non, elle rit. Mais au fond d'elle, elle voit qu'à ta place. Il y a cette envie, elle veut être à ta place. Ah oui! Qui veut, qui doit se négliger? Moi, je veux être là-haut. Qui veut, je veux être là-bas, par rapport à quoi? Donc, l'envie est là. Elle veut être à ta place. Donc, la seule chose, tu ne peux pas lire son cœur. Prends le sel d'ogrin. Tu vas mettre ça. Trois morceaux de sel d'ogrin. Tu mets ça dans ton sac à main pendant que tu fais tes courses pour te marier. Le mari aussi, pareil. Le matin, vous renouvelez. 5 euros, c'est pas cher. Ça ne vaut même pas la moitié du prix de votre portable. Voilà. C'est très important, amis miens d'ici d'ailleurs. Ah oui, c'est très important. Vous ne le faites pas. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Vous allez voir que dans les maisons des riches, des villas, on dit des villas, des châteaux, des hommes riches, il y a toujours un animal qui ne manque pas, le chat. Quelquefois, même, c'est le chat noir. Ce n'est pas un fait de hasard. Vous savez que le chat que vous voyez là, c'est un animal, l'animal le plus mystique, c'est le chat.
Le chat. Le chat, quand vous observez, si vous connaissez le chat peut vous dire, voilà un visiteur qui vient. Le chat peut vous alerter. Lui, son mec. Toi, ton mec. Il t'alerte que, comme tu vois là, le visiteur qui est entré là est chargé négativement. Il n'est pas bien. Un releveur, je ne sais pas, de la compagnie d'électricité ou bien des eaux qui entre dans votre domaine, qui entre dans votre demeure, le chat peut vous dire que le monsieur là, le visiteur n'est pas bien. Même l'employé de maison, le chat va te dire que ce n'est pas une bonne personne que tu vas engager. Mais l'ignorance fait qu'on vit, on est... Quand vous voyez un visiteur entrer, le chat vient maintenant, il vient, il fait le tour. Il flâne autour de vous là, il fait le tour. C'est une manière de vous protéger. Il voit ce que vous ne voyez pas. Le chat voit dans des milliers de... Le chat, c'est pour ça qu'il prédit même des malheurs. En miaulant, en pleurant la nuit. Donc, mais toi, tu es là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Pour toi, non. Visiteur est venu, il est bien sapé. Là, c'est quelqu'un qui est rempli d'énergie négative. Le chat vient maintenant. Tu vois, il change. Tu vois, sa queue là est tendue comme ça. Là. Et maintenant, il vient. Il fait le tour sur vous. Il est là, il fait le tour. C'est pour te dire que l'homme qui est devant toi là n'est pas bien. Mets-le dehors. Sa place n'est pas chez vous. C'est pas tout le monde qui doit avoir accès à votre domicile. C'est pas n'importe quel ami tu vas venir chez toi. Ah oui? Ah bon, il y a toujours ami-ami. Avant d'être ami là, c'est une étape. Parce qu'il y a des jaloux, des amis jaloux. Aujourd'hui, les Bengis viennent là. Beaucoup sont empoisonnés avant de rentrer. Certains même ne vont plus rentrer. Comme ils sont venus là, c'est fini. Voilà. Et mais avant même, Dieu t'a déjà parlé que quand tu viens, ton voyage là, ça ne sera pas bon. Mais comme on dort, même en mangeant, on dort. Étant sur le lit, on dort. Même debout là, on est en train de rouler, on dort. Parce que Dieu, avant que toute chose ne vous arrive, Dieu vous donne les signes. Il vous donne les signes. Il ne fait rien au hasard. La femme, avant d'accoucher, il y a des signes. Avant même de mourir, il y a des signes. C'est tout. L'ange de la mort, quand il vient là, il discute avec ton ange. Ton ange là, si tu es connecté à lui, il dit, papa, pardon, mon fils là, il y a des choses que je ne peux pas accepter sur lui. Oh, mort par accident, non, pardon, il faut laisser, tu es mon collègue. Il y a des anges, il y en a 72 anges. Il y en a aussi des anges de lumière, il y a aussi des anges d'obscurité. C'est équivalent. 72 et 6, 72, ça va de pair. C'est pourquoi il y en a qui sont connectés pas des anges, aux négativités. Et toute sa vie, c'est dans ça. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, avoir un chat n'est pas une mauvaise chose, c'est très très bon. Très 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 bon. Vous devrez, de temps en temps, chez vous, les plantes qu'on appelle l'iso, vous devez avoir ça à la maison. Il y a plein, déjà tout prié, beaucoup même. Si je dois citer, on dirait là, on ne va pas finir. Les mardis et le samedi, c'est les jours où vous devrez tous les jours, surtout quand la lune est décroissante, surtout le mardi et le samedi. Oh non, on a un retour à l'envoyeur. Hein. Aujourd'hui, mardi là, tout ce que vous pouvez faire, retour à l'envoyeur, ça marche. Le mardi et le samedi. Ce sont les deux jours dans la semaine où il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Retour à l'envoyer, il y en a, ça existe. Donc, c'est les jours où vous devrez, les mardis et les samedis, c'est les jours où vous devrez, n'est-ce pas, essuyer votre maison avec du sel gemme. Dans de l'eau, là, tu prends le sel gemme, on appelle potasse. Mardi, comme aujourd'hui, là, tu essuies toute la maison. Le samedi, pareil. Tout ça, là, ça chasse des négativités. Maintenant, si toi, tu ne regardes pas ça, c'est aller maintenant, les make-up qui t'intéressent, Rihanna a mis quelques nouvelles coiffures, qu'est-ce qu'il y a à la mode? Ma chérie, on va venir te prendre dans ton propre lit, là, tes mecs dehors. Ah oui? Tes mecs dehors. Donc, il y a aussi des signes. Quand vous rencontrez des personnes négatives, hein, faites un effort de cracher au sol et vous faites quoi? Le crachat, là, vous piétinez, hein? vous crachez au sol et vous effacez le crachat avec votre pied gauche. Et il y a aussi des signes. Évitez quand vous baillez, quelqu'un baille à côté de vous, là. Il faut vous protéger. Maintenant, même là, c'est pourquoi vous allez voir tous les grands types que tu vois, les présidents, les chefs d'État, lorsqu'ils sortent, ils sont en public, leurs doigts ne sont pas tranquilles. C'est vous, vos doigts sont sur les portables. Ils sont toujours, les doigts sont croisés. D'aucuns d'autres font là, ils font le signe de le pentagramme.
Hein, le pentagramme du roi Salomon, ils font ça. Voilà ça. L'épée à 6 étoiles, à 6 pieds. Maintenant, vous là, c'est portable, c'est les selfies que vous faites. Maintenant, on va vous atteindre, on va vous allumer. J'ai une fois, j'ai publié une photo où vous voyez les chefs d'État, on dirait qu'ils se sont arrangés. C'est l'élémentaire. En public, tous, les pieds croisés, vous voyez, tous sont là. Femmes ou hommes, les premières dames, tous, les mêmes sont croisés. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà dans un territoire où les énergies sont versées. Pop, 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 pop. Tout le monde est là, il y a du bon, du mauvais. Pour ne pas prendre, les pieds sont croisés, les mains sont croisées, toujours comme ça. Ou alors ce signe-là, vous faites ça. Mais c'est vous, vous ancrez, c'est qui vous préoccupe, c'est les mecs comme là. Hein? Eh oui, monsieur, ça va? Eh, ça sort, maintenant c'est portable. Et après ça, maintenant vous prenez vos culins. Et si ce n'est pas les gens, il est assis. Et il faut montrer qu'il a joli portable, iPhone 22. iPhone, il est sur ça comme ça. Et après, on va t'allumer. C'est tout ça là, c'est Manon qui souffre. Papa Manou, mes affaires marchent. Papa Manou, il faut faire mon scanner. Quand le scanner va aussi durer. Papa Manou, c'est à Claude Giraud. Mais tout ça, c'est quoi ça là? Normalement, il ne doit plus faire direct. Parce que je vous ai tout donné. Hein? Quand vous baillez là, couvrez. Quand vous baillez là, quand vous baillez là, il faut bailler là. Parce qu'il y a un esprit pancré. Un esprit malin pour vous atteindre. Et vous êtes à côté de quelqu'un qui baille régulièrement, il est quelque baillé. Ton rôle, c'est de croiser tes doigts. Tout ce qu'il va faire, les jambes aussi, croiser le pied droit sur le pied gauche. Ne vous asseyez pas comme les femmes enceintes. Tu sais, une femme enceinte ne peut pas croiser ses pieds. Tellement le ventre est dessus. Quand elle attend d'ici quelques jours pour aller accoucher là. Elle s'assied là. Elle est faim. Hein? Elle va accoucher demain là. Elle est tout. Eh, femme, non, j'aime la femme. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Je voulais un jour être entouré de 1000 femmes. Les histoires, vous attendez Abraham avec 1000 femmes. Ce sont des allégories. Toi-même, là, tu peux avoir 1000 femmes. C'est un mystère. C'est des codes. Hein? C'est des codes. Et ce sont des codes que nous allons donner dans le groupe des élus. Quelqu'un m'a dit, papa Manou, pardon, pardon, mon salaire là, j'aurai ça le 5 juillet. Est-ce que, j'ai dit non, il n'y a pas de souci. Nous, on a démarré. Dans le groupe qui sont du groupe sanguin O, on dit, voici des choses que tu ne dois plus jamais manger. Tu as compris? Si tu veux être en santé là, parce que ça ne sert à rien, tu as prié, jeûné, les boutons sur ton visage. Ça veut dire que tu n'as pas un bon maître, tu n'as pas un bon père. Un bon père a été dit, ne mange plus ça, mange ça, ne mange plus ça, mange ça. Voilà, on commence d'abord par là. Et Dieu merci, ça a commencé à porter les fruits. Parce que des Antilles, Guadeloupe et tout, les nouvelles sont bonnes. Eh, papa Manou, le bouton qui me... ça ne sort plus. Haut. Maintenant, je dors bien, je n'ai plus de cochon. Même la nourriture, ça tue plus d'hommes que l'épée. Il y en a qui mangent le porc. Aïe, 22 heures, ils ont dans sauce graine. Hein, dans sauce rouge, ils ont qu'à manger. À quel moment? Mais non, c'est pas bien. Hein? Voilà, c'est pas bien, ami Mendicé d'ailleurs. Donc, en dehors de ça, il y a le sel, les graines de moutarde et du piment que vous pouvez utiliser pour enlever le mauvais œil efficacement sur vous. Il existe beaucoup de choses que vous pouvez, n'est-ce pas, faire pour enlever cette histoire de mauvais œil, parce que c'est pas bien. Donc, c'est vrai, prier c'est bien, mais chaque fois que vous sortez, ayez toujours quelque chose sur vous. Les amulettes, le cyclone, c'est un catalyseur de mauvaise énergie, le simple cyclone. C'est pourquoi en Afrique de l'Ouest, vous voyez, vous ne pouvez pas avoir un taxi. Un taximan, dans son taxi, il n'y a pas un truc comme ça. Il y en a aussi qui achètent des voitures. Le métal, la pierre, le métal là. Hein, vous avez l'huile d'olive que vous pouvez prendre, hein, mettre quelques gouttes, consacrer l'huile, laver la voiture avec, pour que la voiture soit épargnée des accidents bizarres. Quelqu'un va avoir une jolie voiture, la BMW, ceci. Il se fait. Tu crois que le pauvre est content? Ce qu'il doit te donner, c'est... Il a pris l'argent, même pas, c'était le voleur de la République. Ça, c'est les petits ferrailles, les bordels, les prostituées. C'est à dire, il n'y a plus d'effort. L'enjeu, c'est ça. Le jaloux, c'est ça. Il ne peut pas comprendre que non, je peux travailler et gagner mon argent. On peut m'offrir. Ça peut être une voiture de service. Non, pour lui, tu ne mérites pas d'être là. Et lui aussi, il ne doit pas être là. Voilà la voiture là. Le bordel là. Les valets, voilà. Les secteurs là.
tu vois une petite fille, elle est là, elle danse. Mon Dieu, ah, à l'image de ma fille, elle est cool seulement. Ah non, comme Denise, c'est une Américaine qui est venue, oh, son affaire, oh, oh, je suis fan d'elle jusqu'à... Quand elle vient me voir là, tout le quartier à un moment, on dit, mais la fille, la sorte de métisse là, oh, j'ai des enfants, oh. Un jour, on va créer, je vais créer une, je sais pas, une recouvaille, hein, de tous les enfants de papa Manu à travers le monde. On va partager de très bons moments. Il n'y a pas, il n'y a que ça. Il y a quoi dans la vie, il n'y a que ça. Si ce n'est pas cet amour. Ah, si ce n'est pas cet amour. Voilà. Donc, ami bien tissé d'ailleurs, voilà, il faut donc, si vous avez le mauvais œil, il faut donc avoir toujours des comportements qui attirent la chance. Donnez. Hein? Quand tu manges un morceau de pain, ton voisin qui est là, demande-lui s'il peut manger, s'il a faim. Donner aux mendiants, donner, partager. Tout ça, c'est très important. C'est partager, c'est très important. Voilà, c'est très important. Donc, c'est important de parler de ça parce que ne sortez pas de chez vous sans un élément protecteur. Voilà, la divine nature, il y en a tellement, si je dois citer, il y en a tellement et tellement, tellement, tellement en bijoux. Les pierres que nous portons nous aident, les pierres. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça envoie l'énergie, ça anéantit. Le cyclone que je mets sur moi, c'est tout. Ma petite pochette où je mets la poudre jaune et un cyclone, voilà pour 5 jours, ça joue ce rôle. Un like que je mets sur moi, ça joue ce rôle. Vous voyez? Elle ne dit pas que, ah, non, Dieu me garde. Oh, ce qui doit arriver, non, c'est la résignation. C'est le maître de ton destin. Si tu te laisses là, on va te prendre, on va faire cadeau avec. Je refuse que ta vie soit un champ de... Il y a un frère qui est venu me voir. Il me dit qu'il rentrait, il a trouvé un vieux papa dans son terrain aux environs de 1h, 2h du matin. Il était là, il a même fait caca, il a déféqué sur le terrain. J'ai dit, mais mon ami, c'est une occasion. Dieu t'aime tellement que je rencontre un sorcier comme ça. J'ai d'abord la torche de mon portable. La... Non, je finis avec lui. Il vient faire quoi sur ton terrain? Maintenant, tu te caches. Il fait... tu vois, il est là. 1h, 2h du matin. Déféqué sur ton terrain. Et quand il a déféqué, il a fait des croix, des signes. Ça, c'est pourquoi? C'est la négativité. Est-ce que c'est une heure où un vieux papa, un vieux bien âgé, il vient déféquer, tu le supplies, il est sur ton terrain? J'ai dit, mais qu'as-tu fait? J'ai dit, mais c'est des choses que j'attends. Prends une latte. Fini avec lui. Fini. Le courage en toi, Dieu a permis que tu vois ton sorcier vis-à-vis. Tu viens là. Mais non. Une latte, tu mets ça sur lui. Bam! Maintenant, tu commences à crier dans le quartier. Voleur, voleur, voleur. Tu sais quoi c'est? Caca, là, il va manger. Maintenant, tu vas laisser. Papa Manu, on va faire comment pour anéantir ça? Il y a quoi? Mais Dieu t'a donné l'occasion de finir avec lui. Tu as encore venu me voir. Voilà souvent le problème de certains. Agir en même temps. Je dis non, il faut que papa Manu... Non. Ton courage est où? Dieu t'a permis de vous voir. Souvent même tu le vois en rêve. Il le voit là, fait sauver. Sur ton terrain, il est nu. Il est en train de chier sur ton terrain. Maintenant, le matin, tu trouves qu'il a fait des trucs, des signes. Et le gros caca est là. 2h la nuit. Il vient faire quoi sur ton terrain? Pour lui, tu es déjà en train de dormir. Il ne savait pas qu'il est sorti, il était en boîte. Maintenant, il rentre, il le couvre. Maintenant, il se cache. Le papa a fait tout ce qu'il a fait, il est parti. Le matin, maintenant, il couvre. Eh, Manu, et à quoi je veux faire pour enlever? Je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Tu viens, tu couvres un sorcier. Non! Finis avec lui! Dieu aime ça. C'est pour ça qu'il aime le courageux. La peur, quand tu as peur, là. Même Dieu, là, c'est, il est diminué. Parce qu'il est en toi. Mais quand tu vas comme ça au fond, là, non. Non, n'aie pas peur. Un, d'abord, tu es dans tes gloires. Il est sur ton terrain. Finis avec lui. Car tu as lu sur lui. Maintenant, tu commences à crier, voleur, bandit, voleur, voici un sorcier sur mon terrain. Bam, bam, bam. Il ne peut pas t'échapper. Tu finis avec lui. Demain matin, là, quand il va voir, il va quitter le quartier, il dit non, voilà, garçon. Oui, oui, c'est ça la question. Ah, le papa, maintenant tu fais quoi? Non, il dit, bon, voilà,
Voilà un peureux qui est là. Il va te manger, manger même tes enfants. Manger, il va te finir. Voilà, il va te finir. Et c'est la faute à qui? C'est ta faute. Donc, Ami Mendicé, d'ailleurs, c'est très important de parler de ces choses-là. Hein? Voilà, c'est très important de parler de ces choses. Demain, c'est la nouvelle lune. Voilà. C'est l'occasion de chasser toutes les influences négatives dans votre vie. Voilà, votre lieu de commerce, vos bureaux, tout et tout. Donc, c'est le lieu. Même la poudre de gingembre, le gingembre en poudre, vous prenez, vous saupoudrez un peu partout. Demain, c'est la nouvelle lune. Donc, profitez pour faire tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc, profitez vraiment au maximum parce que ça, là, c'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Donc, Dieu nous donne demain la nouvelle lune. C'est pas pour faire amusement. Voilà. Il y en a aussi. Il y a tellement. Même pour ceux qui veulent vraiment arrêter de boire. Vous avez un enfant, vous avez aujourd'hui. Ça me rappelle l'histoire d'une dame, elle est aux États-Unis, son enfant ne fait que boire. Comment quelqu'un peut se battre qu'il va en France? Il arrive là-bas, il est parti clandestinement. Il a pris le désert, il a vaincu la mer. Maintenant, il arrive. Et il décide comme ça de changer et de rentrer en Afrique. Pas pour investir. Déjà là-bas, ça a commencé bizarrement. Et la dame, sa maman m'a approché. J'ai dit non, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Ton enfant envoûté, il est possédé. Il y a un esprit qui le contrôle. Donc, quand c'est des cas pareils, ne tapez pas, ne criez pas sur lui. Il ne fait plus ça de lui-même. Il y a un esprit qui le contrôle. Mais c'est rien, c'est des choses trop faciles à traiter. Très faciles. Voilà, très facile, voilà. Et je lui ai dit que ça venait de du père de l'enfant, parce que souvent, il y a des hommes qui se séparent. Après une relation amoureuse, une rupture, il décide maintenant de gâter ses propres enfants. Pour te faire du tort, il donne des esprits, il envoie des esprits maléfiques. L'enfant, là, toute ta vie, c'est de t'occuper de cet enfant. Tu n'as pas de père, même si tu trouves un nouvel homme. L'enfant, là, tombe malade chaque jour. C'est des problèmes, des crises. Oui, mais c'est mauvais de t'aimer, de te donner un enfant. Non. Maintenant, tu as fait tout ça là. C'est pas bien. Voilà, c'est pas vraiment bien. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, Dieu vous a donné beaucoup de recettes, des recettes de protection. Il y a des sommes, il y a des prières, il y a beaucoup. Il y a les gousses d'ail, le citron vert, avec le poivre africain que vous connaissez tous. Vous mélangez ça et vous portez sur vous, surtout dans vos nids, dans vos chambres, ça vous protège incroyablement. Mais il y en a qui pensent que bon, ce que nous disons c'est amusement. Non, c'est pas amusement, ce sont des choses vraiment très pertinentes qui pour vous aider sur le chemin, n'est-ce pas, de votre éveil. Voilà, donc pour arrêter de boire, si vraiment il n'y a pas une main noire dans ça, vous cherchez les barbes de maïs. Vous voyez le maïs rouge, non? C'est le bon moment. Oh, il y en a des jolis maïs actuellement en Afrique. Il n'y a pas un continent plus beau que l'Afrique. Culturellement, musicalement. J'ai dit, c'est un pays. Dieu, ben, la vie, comment? L'humanité commence chez nous. Le berceau de l'humanité, c'est chez nous que ça a commencé. Les premiers Japonais étaient noirs. C'est nous qui avons l'histoire du monde, de l'humanité. Dieu nous a bénis, c'est pourquoi il y a tout chez nous. C'est, nous sommes le début et la fin du monde. Nous sommes le commencement et la fin de l'humanité. Actuellement, c'est la saison de maïs. Il y a des prunes là. On appelle ça soufouria ou quoi là, en Côte d'Ivoire. Le noyau même de ça, ça craint de la maladie des prostates. Le maïs est là. La barbe de ça, ce qui est comme les plumes là. Tu prends ça, l'enfant qui fume, qui boit, qui ne veut pas arrêter. Il faut chercher ça. Barbe de maïs rouge. Il y en a les maïs rouges là. Hein? Il faut réduire ça en poudre. À chaque fois qu'il veut manger, prenez ça, vous mettez ça dans son repas. Il va arrêter de boire. Ça, c'est fini. Tout est dans la divine nature. Il y a aussi le hibou. L'animal que vous connaissez, le hibou là. Ah, il y a là. Quelqu'un qui boit, il dit, on ne va jamais arrêter de boire. Non, il boue. Hein? Il boue. Il y a ça. Dieu a tout créé. Les enfants, c'est quelques astuces. Maintenant, j'entre dans les astuces. Vous voyez, c'est coquille d'escargot. Hein? Bon, vous pouvez faire cette expérience demain. Prenez un escargot, vous mettez une table.
Vous mettez les billets d'argent, 10 000, 10 000 balles. Là, bon, chez vous, il y a 100 euros hein, pour les benguises là. Vous prenez 100 euros, hein, vous mettez, vous prenez un escargot vivant, vous le posez sur la table. Donc, il est entouré des billets. Maintenant, vous laissez, parce que quand l'escargot, vous l'attrapez, vous voyez, il entre dans sa coquille là. Après un moment, après il sort, il marche tout doucement, tout doucement, tout doucement, l'escargot là. Voilà. Le biais où l'escargot va aller, hein, l'escargot va aller pour vouloir traverser. Prenez ces biais, mettez dans votre monnaie, je vous assure, l'argent va vous chicoter. Vous savez que l'escargot, même, l'enfant qui bégaye, qui parle difficilement, faites-le boire de l'eau. Quand il veut boire de l'eau, vous mettez ça comme ça là. Hein, ça passe par ça. Ça va finir. C'est Dieu a tout créé. Tout créé. Comment quelqu'un peut fabriquer un portable? Il ne met pas toutes les options à l'eau. Tu vois, maintenant le portable, là, comme moi là, oh, j'ai iPhone ou c'est iPhone 20 quoi, ou c'est quoi, iPhone 10 ou quoi là. Moi c'est allô, mais ça c'est fini. Même fait caméra, je ne connais pas. Alors que dans ça, je peux même programmer mes rendez-vous de 2024. Je peux tout faire dedans, mettre tout. C'est-à-dire. Mais avoir même un fichier, j'ai même mes actes de naissance, tout et tout. Mais l'ignorance fait que je connais seulement allô, hein, répondre, message. C'est comme ça la divine nature. Dieu a tout créé. Ton problème là, sa solution existe depuis la nuit des temps. Ton problème n'est pas nouveau. Hey, papa Manou, je dors, me gifle. C'est pas nouveau. Solution de ça, Dieu a créé. Papa Manou, quand je suis avec un homme là, quand il m'a goûté là, il s'en va. Dieu a sa solution. Hey, papa Manou. Et l'argent reste pas dans ma main. Je souffre. Hey, Dieu. Mais ce n'est pas une souffrance, c'est l'amour. Vous m'aimez et Dieu me protège. Vraiment, ayez pitié de moi parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quelqu'un m'a dit, papa, laisse dans décembre, on t'invite. Viens aux États-Unis te reposer, papa. Eh hey, Dieu. J'ai dit, je fais comment? Du nom, laisse porter, je pense comment à Lima et Lala, je pense à Sylvie, je pense à Aubry, je pense à Jean-Pierre, je pense à Jean-Baptiste, tout ça là, il ne peut plus entendre ma voix, je fais comment? J'ai accepté, j'avais signé le contrat sans lire les clauses. Vous voyez, bon, c'est tout ça là, bon. C'est pas facile de faire des directs où 500 personnes même vous suivent. Même la télévision aujourd'hui, il y a des émissions qui n'ont pas un taux d'écoute et d'audience vraiment élevé. Et si tu fais un direct que 500 personnes t'écoutent, dis-toi, ça veut dire qu'il y a un fond. Et nous faisons les directs pas pour clasher des gens, pour parler des mystères de cette vie. Voilà, mon frère Abessou est connecté. Voilà, tout est là, tout a été accompli. Toutes choses vous ont été données, toutes.